Je sais ce que c'est de foutre le dos en vrac, je sais ce que c'est que d'être humilié parfois par des employeurs. Je scrolle à droite. Ouh! Promotion, promotion, les petites mains, le film de Nessim. Alors ça, j'adore parce que c'est un film, déjà, c'est une comédie populaire qui parle de sujets assez importants et graves, notamment qui s'inspire de la lutte de femmes de chambre et de femmes de ménage dans des palaces qui sont sous-traitées, qui ne sont pas, qui demandent à être employées en tant que, en étant en CDI interne, quoi. Et qui ont fait grève pendant, en tout cas en ce qui concerne Rachel Keke et ses camarades, elles ont réussi à faire grève pendant 22 mois, ce qui est énorme. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as compris. Tu sais, ce qu'elles revendiquent, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Ah, je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça parle de ça. Et surtout de comment on fait quand on est face à une injustice, en l'occurrence, enfin des injustices d'ailleurs, quand tu es vraiment maltraité, sous-traité et maltraité, et que tu, à un moment, tu fais, ben stop, là, ça va plus, on arrête le truc, est-ce que j'ai le droit de faire grève, pas le droit de faire grève, qu'est-ce que je vais perdre, parce que ces nanas perdent, elles peuvent perdre leur. Souvent, c'est des personnes qui ont pas de papier ou qui sont avec des visas tout pourris. Donc, je risque de me faire renvoyer à la frontière, je risque de perdre mon boulot, donc du fric, puis pouvoir bouffer, puis élever mes enfants, etc. Il me touche effectivement, pourquoi? Parce que, bah déjà, parce que ça touche plein de gens précaires et que j'en connais beaucoup. Puis moi, j'ai été femme de ménage aussi. Je sais ce que c'est de se foutre le dos en vrac, je sais ce que c'est que d'être humilié parfois par des employeurs. Moi, des fois, je dormais dans les bureaux que je nettoyais, je dormais là pour pouvoir être. Être prête, quoi, puis te prendre. Ouais, t'es pas considéré ou très rarement, on t'appelle par ton prénom. On te tutoie, hein, on te. Alors que toi, t'es censé vous voyez et puis dire Madame Machin ou Monsieur Truc, quoi. C'est vraiment des expériences vraiment dures, quoi. Et c'est super que Nessim réussisse à faire. À faire rire quand même avec ce film. Il y a des moments, évidemment, séquences émotions, mais il est dans la tradition du cinéma populaire qui, rappelons-le, le cinéma à la base était populaire. Ils veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisible. Il y en a marre qu'on nous exploite. Tu crois que ça sert à quelque chose, tout ça? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses, là? On n'est rien pour eux. Si on continue à manifester comme ça, on va pas aller bien loin. Il faut qu'on organise un truc pendant la Fashion Week. Fais venir Jean-Paul Gaultier là, tant que tu y es là. La Queen ici, messieurs, Blanche Gardin. Voilà, ça c'est dans un film de mes camarades de Lépine et Kervern que j'adore. Puis un jour, bah, il y a eu l'accident, quoi. Je regardais les écrans, je regardais Dr House, la saison 6. Mais j'ai pas vu, il y a une fuite radioactive. Oh bah ils ont rien dit, hein, parce que ça a été caché, comme d'habitude, de toute façon. Sauf que moi, j'ai perdu mon job, j'ai perdu mon mari. Enfin, mon mari, c'était à cause de House of Cards. Oh merde. Et pareil, c'était discuter de la précarité qu'il peut y avoir dans. Elle était. Comment on appelle ça, les nanas qui conduisent les bagnoles. Merde, comment on appelle ça? Les VTC, je faisais ça. Les VTC, ouais. Et moi aussi, j'ai un problème. Moi, tu vois, c'est sur l'application client, à chaque fois. Eh ben, j'ai qu'une étoile, tu vois. Même si je suis gentil et tout, hein. Une étoile, une étoile. Du coup, il me fait moins de courses, du coup, j'ai moins de clients, toujours moins d'étoiles. C'est le bordel, je suis coincé, je peux rien faire, c'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde. Saloperie. Non, mais on panique pas, là. Pareil, ils ont, à leur manière, c'est pas la même façon de faire que Nessim. Ils ont un langage à eux qui est, que moi, j'adore, hein. Qui est très drôle, très cru, très piquant. Ils osent tout, puis putain, ils ont des putains de casting. Oh là là là. Bon, là, il y avait Blanche Gardin qui avait le rôle principal, qui était juste une killeuse, quoi. C'était un bonheur. Et Podalydès. Podalydès, grand monsieur aussi, grand acteur. Et quel. Moi, il me trouait le cul. Moi, je suis très traqueuse. Donc, quand je suis dans un truc, il ne faut pas me faire chier. Voilà.
quand il y a du texte. Quand il n'y a pas de texte, ça va. Et lui, il lisait son bouquin. Il avait des tas de trucs de texte à faire. Il lisait son bouquin. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu joues. Ouais, voilà. Puis il arrive et il te fait un truc qui est génialissime. Okay. Ah bah ça, c'est Les Invisibles. Les Invisibles, c'est magnifique parce que c'est un... Là, c'est un film de Louis-Julien Petit qui est mon frangin de cœur et avec qui j'ai fait plusieurs films. Et ici, c'est Marianne Garcia qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était une nana, une actrice qu'on avait découvert, enfin que Louis-Julien avait découvert dans son long métrage Discount. Et tout le monde l'a surnommée Madame Tarama parce qu'elle avait fait une réplique qui était devenue culte. Et là, pareil, elle jouait une invisible et ça se tournait ça dans le nord, à Tourcoing, juste à côté de chez moi. C'était vraiment à deux rues de chez moi. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On répare. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. Bah, c'est 24 heures, hein. C'est, ouais. Temps, c'est beaucoup. Cette séquence-là, c'était ça se passait dans un centre de femmes SDF. Et donc, elles apprenaient à se maquiller, à se rendre belles, à accepter leur image, quoi. Et il y avait des miroirs partout, donc il y avait de la musique, il avait mis de la musique pendant qu'on tournait. Et on regardait, on les maquillait, on les coiffait. Et puis on essayait de voir la transformation du « je suis invisible », là je me rends visible et je me rends belle. C'était une séquence, on a tous chialé. Ah. Louise Wimmer, l'affiche. Avant, après. Ça, c'est le film de mon grand Cyril Menguin, avec qui j'ai fait aussi d'autres films. Et ça a été un gros tournant parce qu'à l'époque, quand Cyril m'a appelé, moi, il m'avait vu dans un téléfilm de José Dayan, dans lequel j'avais un petit rôle. Et donc, j'ai reçu un coup de fil Moi, j'étais à Lille avec des potes et puis « Oui, bonjour, je m'appelle Cyril Menguin, je prépare mon premier long métrage et je voudrais vous proposer le premier rôle. » Moi, je faisais toujours des panouilles, hein, des trucs. Je dis « Ouais, c'est ça, c'est un de mes potes qui se fout de ma gueule. » Je dis « Ouais, c'est ça. » Puis le mec, il dit « Non, non, mais c'est sérieux. Si vous voulez, je vais venir vous voir à Lille. » Ouais, le mec, il va se déplacer à Lille. Et donc, il me dit « Je viens tel jour, machin, je suis allé à la gare Lille-Flandre. » Je me suis dit « Si c'est une blague, franchement... Je comprenais pas qu'il pouvait me faire cette blague-là. Et donc j'ai attendu, puis j'ai vu arriver ce mec qui descendait du TGV. J'ai dit, ah, bah non, c'est pas une blague. Et c'était magnifique parce que ça, c'était le premier grand rôle, premier rôle que j'ai eu au cinéma. Et on a été nommé au César. Écoutez, j'ai des cas qui sont bien plus graves que le vôtre. Vous avez un travail. J'ai bientôt 50 ans, je vis dans ma voiture. J'ai besoin d'un appartement. Pas d'un entretien, mais d'un putain d'appartement! Restez poli, s'il vous plaît! Bah, c'était drôle, moi je l'ai vécu comme ça, parce que la première fois on l'a présenté, où j'étais présente, c'était à la Mostra de Venise. Et puis, moi je me suis dit, on va se faire défoncer. C'était une immense salle, c'était blindé de monde. Et puis, tu vois, en Italie, c'est un film d'auteur, tu fais bon. Et donc, pendant toute la projection, il y avait Cyril, mon mec d'à côté, Cyril de l'autre. Et Cyril était « Ah putain, il y a quelqu'un qui est sorti. Regarde, c'est pas... Putain, laisse-moi regarder le film. Tac, 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 tac. » Et à la fin, il y a une scène de fin qui à chaque fois me fait chialer, même quand j'entends Tu vois, j'ai les poils qui se dressent. Même quand j'entends la chanson, les premières notes. Et là, la douche, quoi, je pleurais. Et mon mec qui pleurait. Je l'ai vu pleurer deux fois. Une des fois, c'était celle-là. Et puis, on s'est levé et les gens étaient comme ça. Et en peut-être, on va dire une heure ou deux, il regardait sur son téléphone, il disait « Ah putain, et la presse, les gens qui étaient dans la presse, hein. Ah, ça a marché. » Puis après, on est allé à Namur, et puis là, on a reçu un prix. Puis là, ça a été progressivement, et là, je me suis dit « Ah ouais, putain, jusqu'au jour où on m'a dit « Bon, ben voilà, t'es nommée pour meilleure actrice au César, et puis le film pour meilleur premier film, et puis on a eu le César. » Alors. Nous avons ici les vaginites. Alors ça, c'est où ça? Ah, c'est au festival de Groland. Camarade Benoît Delépine nous a invités là-bas. C'est le premier concert, vrai concert des vaginites, mesdames, messieurs.
et non binaire. Faux écoutants manipulateurs, tribus de Narcisse. Ils vendent du rêve et à la fin, eh ben tu crèves. Et c'est génial, les vaginites, c'est. En fait, c'est un groupe, on a trois. Il y a Stéphanie qui est au milieu, qui fait la musique, l'électro, ici. Madame Maziero qui écrit les petites histoires. Et puis Audrey qui a une magnifique voix. Et voilà, donc on parle beaucoup de thèmes qui concernent les violences faites aux femmes, aux enfants. On raconte nos histoires d'inceste, d'agressions sexuelles diverses et variées. Tout ça avec une petite note d'humour punk. Très cru, et puis après on fait des rencontres avec le public, et là c'est avalanche, 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 avalanche de moi aussi, moi je, moi ci, moi là. Et c'est fou parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui vient, souvent dans l'équipe, parfois très rarement, mais ça arrive aussi des mecs, des techos qui arrivent et qui disent rien tout le temps qu'on répète, et puis à la fin ils disent. C'est assez rough. On a commencé juste après le Covid. On tourne parfois dans des petits festivals gratos ou pour défendre une cause ou pour le fun. Et puis surtout, ça sert nous à nous défouler, c'est exutoire et ça sert à libérer la parole beaucoup. C'est pour ça aussi que moi j'ai créé les vaginites. Hein, c'est pour pouvoir, ce que je vis dans ma vie de citoyenne, pouvoir le mettre soit sur un plateau de théâtre, soit un plateau de concert, soit un plateau de cinéma ou de télévision. C'est malheureusement pas tout le temps le cas, mais des fois c'est bien de se marrer aussi, et puis c'est d'essayer de mélanger ça, juste d'être honnête et de pouvoir se regarder dans le miroir le matin.